Puis le 2, tu es comme ça dans le seau. Hein. Ouais. Tu verras la vidéo, tu le portes et puis tu le casses en deux. Hein. Là, tu rentres trop petit, du coup, ça te met la sortie facile, mais là, la dernière foulée, elle est grande comme ça. Ça, c'est pas trop mal fait, je vais en mettre 8, je vais en mettre 7. Sur la ligne brisée, là ouais. J'ai pas vu le nombre de foulées. Et j'en ai mis ça, j'ai fait 7. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il était complètement sur les épaules et trop près. Ça, c'était pas trop mal. Ouais. Je rentre très petit. Bon. La Lumina, en 6. Un petit peu grande à la fin. Ouais, donc très plat la sortie. Très plat la sortie, et là, elle va être trop court. Mais surtout là, à deux foulées, il était quasiment arrêté. Il n'était plus devant tes jambes. C'est sur les épingles, comme ça, devant le double ou devant. Il faut réussir à tourner en gardant le cheval vraiment embrayé pour pouvoir quand même avoir un mouvement de recul devant un vertical. D'accord. Et là, quand tu as commencé à freiner, tu as freiné sur quelque chose qui avançait plus. Alors, les jarrets, ils étaient à l'autre bout du village là-bas. D'accord. Ouais, je tiens, mais...